Buenos días, Victoria. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Bien. Bien, ¿Y usted? ¿sí? Sí, muy Vale, me bien. alegro, estoy bien también, gracias. Ahora, seguimos trabajando con el futuro. Nous continuons à travailler avec le futur. Nos quedan dos verbos irregulares para trabajar. Okay. D'accord? Il nous reste deux verbes irréguliers à travailler au futur. Ces verbes irréguliers, c'est le verbe saber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, saber? Savoir. Très bien. Savoir. Qu'est-ce que ça veut dire décir? Dire non. Très bien. Dire. Alors, tu te souviens ce qu'on a vu la dernière fois? Il y a une certaine régularité L'irrégularité dans dans l'irrégulier. l'irrégularité. Très bien. Donc, si on veut conjuguer le verbe savoir, d'accord, au futur en espagnol. Alors, ce qui change, c'est le radical. Et le radical, je te le donne. Le premier, ça donne sabre. Et ensuite, on met la terminaison qui est la même pour tous les verbes au futur, sans aucune exception. D'accord? Et ça donne sabré. Sabré, Donc, si tu suis, exactement, si tu suis la sabras, méthode, ouais. sabras, sabra, sabremos, Très bien. Quand je vous dis que j'aime travailler avec des gens intelligents, ça fait plaisir, ça me fait gagner du temps. Alors, ça devient sabré, sabras, sabra, sabremos, sabréis, sabran. D'accord? Attention, sur le sabremos, il n'y a pas d'accent. ça change des D'accord? trucs, ça, à l'oral ou pas? Non. Non, mais si jamais vous vous inscrivez dans la durée Ibiza, Oui. et que donc vous commencez à vivre ici. Non. Non, mais si jamais vous vous inscrivez dans la durée Ibiza, Oui. et que donc vous commencez à vivre ici. Non. Non, mais si jamais vous vous inscrivez dans la durée Ibiza, Oui. et que donc vous commencez à vivre ici, les emails d'assurance et tout Ouais, ça, d'accord. tu ne fais pas de faute, c'est toujours bien mieux reçu, bien évidemment. Oui. À chaque fois qu'on voit un verbe nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On se met en. Situation. Ben oui. Alors, je saurais. On fait quoi avec musique aujourd'hui? Je sais pas, non, c'est votre téléphone, C'est le mien? hein? Arrête de me dire votre. Ouais. C'est votre Je vais téléphone, la pas taper. moi. C'est mon téléphone qui a fait ce bruit-là? Ouais, ça a fait un truc sur l'écran et puis c'est parti. Bon, pas rien. Enfin, Oui. pourquoi? Très bien. Bon. Alors, je saurais y aller. La prochaine fois qu'elle me dit vous ou qu'elle me vouvoie, j'augmente le tarif du cours. Alors, je saurais y aller. Sabré haïr? Alors, Non, intelligent, mais pas ça. c'est Raté. sabré ir. Ah, et là D'accord? pour une fois, il n'y a rien. Exactement, il Ah, n'y a rien. Et le y, la préposition i en français qui remplace le complément circonstanciel de lieu ou le verbe à l'infinitif, n'existe pas en espagnol. Donc, il n'y a d'accord. vraiment pas à galérer. Je saurais y aller, ça ne se traduit Comme pas vous le avez i. dit, du, ça se dit pas, de là, ça se dit pas, et je sais plus c'était quoi les autres. Du, Je me ouais. souviens plus, mais. D. Des, de là, il, ça se dit Exactement. pas. Et le reste, c'est pareil. Sabrir, je saurais y aller. Ok. D'accord? Il saura le faire. Alors, comment on va le traduire en espagnol? Il saura le faire. Ça me perturbe que mon téléphone, il ait fait du bruit. Hein. C'est pas grave. Alors, il saura le faire. À la Marta, je t'écoute. Bon, bah, ça là. Très bien. Attends, j'ai un trou sur faire. Alors, le verbe faire en espagnol. Acer. Très bien. Sabra, l'eau acer, je sais pas. Alors, très bien. C'est très très bien. Sauf que, comme on l'a déjà vu, en espagnol, d'accord, les pronoms réflexifs vont se mettre À la à la fin. fin du verbe. Coller. Donc, sabra, acerler. Acerlo. Hacerlo. Très bien. Il saura le faire. Sabrá hacerlo. Et ça se met à la fin tout le temps ou c'est que au futur que ça se met à la fin? Tout le temps. Je veux. Je veux Je veux me lever. Quiero levantar. Mais. Tu dois te réveiller. Debes despertarte.
D'accord. Mais ça, on va les travailler au fur et à mesure. C'est une très bonne question. C'est des questions, n'hésite pas. Donc, il saura le faire, sabra hacerlo. Là, ce que j'ai aimé, c'est que tu avais la réponse. Pas dans la bonne ordre, mais tu avais la réponse. On joue à Motus. Alors, nous saurons parler anglais. On prend une langue facile à apprendre. Nous saurons parler anglais. Est-ce que tu parles anglais, Victoria ? Un peu. Très bien. Alors, nous saurons parler anglais. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol ? Sabremos. Très bien. Sabremos. Bah, hablar inglés. Hablar inglés. Exactement. Sabremos. Hablar. Inglés. D'accord ? Tilde, alors l'accent en espagnol, on dit la tilde. Tilde sur le E. D'accord ? Sabremos. Soy española y no sé qué hago aquí. Aprender francés, Arcia. Alors, sabremos hablar inglés. Nous saurons parler anglais. Des questions là-dessus ? Non. Très bien. Je t'écoute rapidement pour la lecture du verbe savoir au futur. Sabré, sabra, sabra, sabremos, sabré, sabran. Très bien. Très bien, je sais y aller. Sabrir. Il saura le faire. Sabra. Attends. Sabra hacerlo. Nous saurons parler anglais. Sabremos hablar inglés. Très bien. J'ai rien à faire. Très bien. Très bien. Très très bien. Alors, maintenant, comment est-ce que l'on va traduire ? Comment est-ce que l'on va conjuguer le verbe decir ? D'accord, donc dire au futur. Une idée. Dime. Non, digue. Dire. Très bien. Ça, c'est dire, du coup. Dire. Eh bien, écoute, en plus, ça ressemble étrangement au français. Ouais. Parce qu'en français, c'est je dirai, tu diras, il dira. D'accord ? Et là, en espagnol, c'est dire, diras, dira. Et à part les accents, ça s'écrit de la même manière, la deuxième et la troisième personne du singulier. Diremos. Direis, diram. Et donc ça donne dire, diras, dira, diremos, direis, diram. Attention à la prononciation du R, un seul R. Et en français, c'est je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, elles diront. Quand c'est un seul R, on roule. Exactement. Ouais, c'est ça. Je t'écoute. Enfin, du coup, ça me met la pression. Mais oh, ouais, la pression, de quoi tu parles ? Dire, diras, dira, diremos, direis, diram. Très bien. Alors, je dirais ce que je pense. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol ? Je dirais ce que je pense. Toujours dire ce qu'on pense. Je t'écoute. Je dirais ce que je pense. Dire lo que pienso. Exact. Très bien. Dire, alors attention à la prononciation, dire lo que pienso. Vous voulez dire sur le pienso, la prononciation ? Attention. Non, sur dire. Sur, ouais. Pienso, tu l'as très bien dit. Dire lo que pienso. Dire. Dire. Attention, la prochaine, ça va être un peu plus dessous. Dire lo que pienso. Dire. Oh putain, dès que je répète, j'y arrive pas. Dire. Non. Dire. Dire. Parfait. Dire lo que pienso. Eh, je veux dire, dans 3 mois, si tu fais toujours la faute, on en parlera. Pour l'instant, c'est normal. Oui, ouais. Dire. Oui, mais sinon, je ne suis pas là, quoi. Dire lo que pienso. Bien sûr. Sinon, je n'ai pas de travail, moi. Je chômage. Alors, elle dira la vérité. Toujours dire la vérité. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol ? Elle dira la vérité. Je peux dire la veridad ? La veridad ? Non, non. Alors, on dit dira, dira, la verdad. Ça n'existe pas, veridad ? En latin, si. Ah. Veritat. Oui, donc du coup. En vino veritas. La vérité dans le vin. Attention. Non, elle dira la vérité, dira la verdad. En espagnol, la verdad.
La vérité, c'est la verdade. La verdade. Attention, la verdade. La verdade. D'accord. Et le D, tu le prononces pas spécialement, pero ella dira la verdad. Très bien. Encore un exemple, parce que je sais que t'aimes bien. Nous dirons ce que nous voulons. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol ? Nous dirons ce que nous voulons. Parce qu'on est des beaux gosses. Diremos lo que... non, queremos. Non, ça fait bizarre. Diremos lo que queremos. Queremos. Il n'y a pas de i à la première et à la deuxième personne du pluriel. Quiero, quieres, quiere. Queremos, quereis. Quieren. Quieren. Quieren, par exemple. D'accord ? Et attention, mais c'est la même règle qu'en français. En français, tu prends le verbe vouloir. Oui, je veux, tu veux, il veut, c'est irrégulier. Nous voulons, vous voulez, c'est régulier. Ils veulent, c'est de nouveau irrégulier. D'accord ? Nous suivons les mêmes règles grammaticales entre l'espagnol et le français. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que c'est plus facile pour des francophones d'apprendre l'espagnol ou des hispanophones d'apprendre le français. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe dire. Dire, diras, dira, diremos, direis, diran. Parfait. Je dirai ce que je pense. Dire lo que pienso. Elle dira la vérité. Dira la verdad. Très bien. Nous dirons ce que nous voulons. Diremos lo que queremos. Parfait. Nous avons vu donc, entre hier, non, lundi. Entre avant-hier et aujourd'hui, l'intégralité des verbes irréguliers, en tout cas les plus importants, il y en a encore quelques-uns qui peuvent être irréguliers lorsque l'on parle de physique nucléaire ou de... d'acide biologique, mais on ne va jamais les employer, ni en français et encore moins en espagnol. Donc, on va se concentrer sur, maintenant, des phrases. Alors, on fait le même travail que l'on a fait au début, d'accord ? On met des phrases en français et on les traduit en espagnol, tout au futur, et nous mélangeons les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Numéro 1, d'accord ? Je ferai... ce que je veux. Alors, comme je ne peux jamais faire ce que je veux, j'aime bien l'écrire, cette phrase. D'accord ? Je ferai ce que je veux. Comment va-t-on traduire en espagnol ? Je ferai ce que je veux. Il est irrégulier. Il est irrégulier. Elle n'a pas son cahier, donc c'est en galère. Je réfléchis, en fait le truc c'est que je sais pas pourquoi je les perds parce que j'ai pas l'habitude encore de le parler. Donc du coup ben, je perds faire ça, enfin tous les trucs de base. Je te donne le premier ? Non. Faire c'est hacer. Mm-hmm. Donc ara. Très bien. Arre, pardon. Très bien. Arre. Arre, loque, quiero. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois je suis obligée de... Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ferai ce que je veux, haré, loqué, quiero. Dans la simplicité. Très bien, haré, loqué, quiero. Très bien. Numéro 2, d'accord. Elle, d'accord, mangera... du poisson. Elle mangera du poisson. Comment traduit-on en espagnol ? Elle mangera du poisson. Comerá el pescado. Alors, comerá. Non, comerá pescado. Exactement. Comerá pescado. Si j'avais mis, elle mangera le poisson, d'accord ? Comerá el pescado. Si je dis, elle mangera un poisson, comerá un pescado. Elle mangera du poisson, comerá pescado. Tout simplement. Numéro 3. Je conduirai... d'accord. Une Porsche. On peut toujours... Enfin bon, allez, mets ça une Porsche. C'est pas pratique, hein. Ça sert pas à grand chose. Ouais, vous savez. Le Porsche Cayenne, d'accord. C'est vrai. Et sinon, le problème, c'est qu'on a aucune route qui fait plus de 3 km ou 4 km en droite. Donc, ils ont toutes des trous.
Je sais pas comment on dit conduire en espagnol. Alors, on l'a déjà vu une fois. Ah bon? Conducir. Eh ben, concédé. Très bien. Là, si tu suis la méthode, tu sais le faire. Un Porsche, parce que c'est masculin. Très bien. Sans l'intelligence. Conducir un Porsche. Alors. Porsche, ça s'écrit P-O-R-S-C-H-E, non? Je sais pas. En vrai, quand vous avez dit que j'étais en train d'écrire, je dis je vais attendre de voir ce que tu mets au tableau parce que je sais pas l'écrire. Ouais. Mais je pense, non? Ouais. Manejaré es correcto también. Un Porsche. Tout le monde parece de acuerdo con cómo lo escribí. Ouais, pas mal. Je suis seguro. Comme j'ai jamais conduit de Porsche, bon, ils disent rien, donc tout va bien. Ok. Je conduirai une Porsche, conduirai une Porsche. Alors, une seconde. On va se concentrer 2 minutes sur le verbe conduire. D'accord? Le verbe conduire, c'est un verbe normal au présent, sauf la première personne à l'irrégulière. Comment est-ce que tu dis en espagnol « je conduis » ? Et il est neuf, lui, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, je conduis. Comment est-ce que tu traduis en espagnol « je conduis » ? Bah, je sais pas. Ça finit par « o » ? Ouais. Du coup ? On dit « conduzco ». Ah d'accord, ah oui d'accord. Et après il est régulier, d'accord? Conduces, conduce, conducimos, conducis, conducen. D'accord? Conducis, ok. Après il est régulier, comme le verbe dormir, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais c'est juste que au premier tu rajoutes le Z et ça donne conduzco. Ça fait. On a l'impression de voir Zorro, tu vois? Conduzco. Ok. Donc je conduis, conduzco. Et comment dirais-tu « je suis en train de conduire » ? Je suis en train de conduire ? Estoy... Attends, on avait vu le truc. Comer, comiendo. Ah, oui, beber, bebiendo. Conducir. Donc, conduciendo. Très bien. Estoy conduciendo. Je suis en train de conduire. T'as une copine espagnole qui t'appelle, d'accord ? Ah, oui. Tu décroches, tu dis est-ce que espera Maria, estoy conduciendo. Attends Maria, je suis en train de conduire. Tout simplement. D'accord? Et c'est encore des choses que au jour le jour, tu vas utiliser. Ok? Estoy conduciendo. Je suis en train de conduire. Très bien. Là. Si, te lo cojo yo. Perdón, un segundo. Los salía del directo. Tengo que atender a mi amigo el cartero. Ya está, tranquilo. Ça a été rapide. Oui. Ha sido rapido. Perdona. Es solo que soy punto de encuentro por todo el barrio. C'est ici, c'est le point de rencontre de tout le quartier, comme tout le monde travaille, et que le seul qui est là le matin, là, je prends les paquets de tout le monde. Voilà. Alors, bon, je suis sympa comme personne. Je suis un bon voisin. Alors, on continue à travailler, d'accord? Elle ne cuisinera pas. De la envie, tout simplement. Alors, elle ne cuisinera pas. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Elle ne cuisinera pas. No cocinará. Très bien. No cocinará. Ella no cocinará, no cocinará directement. Très bien. Numéro 5. J'aurai, d'accord, une maison rouge. Comment on va traduire en espagnol? J'aurai une maison rouge. Avoir, il est régulier, non? Il est irrégulier. C'est donc c'est ténère. Oh putain, j'ai vu, c'était quoi? Tendré. Très bien. Tendré una casa roja. Roja casa. Casa. Tendré una casa. Attention, c'est suave. D'accord? Una casa roja.
Tu roules le R et tu prononces le J comme un R en français. Roja. 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 J'arrive pas à dire. Una casa roja. Una casa roja. Non, c'est l'inverse. Comment? Prononce comme un L. Roja. Le, ouais. Roja. Roja. Loja. Roja. C'est la langue qui travaille. Roja. Mais j'arrive pas à la faire bouger. On va le travailler. Pourquoi? Pourquoi? Una casa roja. Vamos mejor. La ro está bien. Roja. Una casa. No, j'arrive pas. Una casa roja. ¡Pas mal! Ouais, ¡pas mal! Tendré una casa roja. No lo tenéis pas. Normal. Parce que, on a tous galéré. On dit tous roja, donc. Oui, on a tous galéré. Ouais. Okay. Una casa roja. D'accord? Donc, tendré una casa roja. Très bien. J'aurai une maison rouge. Prononciation. Tu sais, moi, quand je donne des cours de français, là, aux anglais, pour leur faire prononcer U, je t'en raconte pas la galère, quoi. Tu, tout. Non, non. Tu veux, tout veut. Non, tu voulais, d'accord. Ça marche quand même. Voilà, ça marche dans les deux sens. Alors, je ferai ce que je veux. Arrête lo que quiero. Arrête lo que quiero. Elle mangerait un poisson. Comerá pescado. Je conduirai une Porsche. Conduiré un Porsche. Très bien. Très bien. Très bien. Elle ne cuisinera pas. No cocinará. Très bien. J'aurai une maison rouge. Tendré una casa roja. Tendré una casa roja. Ouais. Pas mal. Pas mal. Pas ça encore, mais on est dessus. D'accord? Que je suis un peu méchant parce que je mets quand même des mots là un peu durs au niveau de la prononciation. Donc voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu. Ok, numéro 6. D'accord. Alors, il aimera manger avec toi. Alors, comment est-ce qu'on va dire il aimera manger avec toi? Bien sûr. Ouais. Bah, les gustaria, c'est toujours le même en fait, non? Les gustaria. Alors, les gustaria, c'est du conditionnel, très bien, on n'en est pas encore là. Bah, les gusta. Les gusta, c'est très bien, sauf que tu m'as ajouté un i. Les gusta. Ouais, je sais pas, je fais pas attention beaucoup l'entendre les gusta. Les bas gusta. Tu pourrais dire. Les gustará comer contigo. Ah oui, contigo. D'accord? Donc, il aimera manger avec toi. Les gustará comer contigo. Numéro 7. D'accord? Elles achèteront. Elles achèteront un sac à main. C'est très joli en français, un sac à main. Alors, elles achèteront un sac à main. Ellas compraran. Très bien. Alors là, une bolsa. Una bolsa, c'est un sac, mais pareil, ouais, au supermarché. Je sais pas comment on dit sac à main. Un bolso. Ah oui, bolso. D'accord, directement. Ouais, alors après, bien évidemment, comme tu es française et qu'on habite à Ibiza et qu'il y a beaucoup de francophones, si tu dis « Oh, elle comprerait un sac à main », les femmes vont toutes te comprendre. Ah ouais. Les hommes, il n'y en a aucun qui va comprendre, d'accord. Ou peut-être ceux qui aiment les hommes. Les hommes qui aiment les hommes, ils vont te comprendre. Mais sinon, non. Par contre, c'est quelque chose que tu peux dire. Sac à main. Ah ouais. Okay. C'est comme tu dis en espagnol pour dire ah je vais chez le coiffeur, voy a la peluquería. Tu dis voy a le coiffeur, todo el mundo de la entender. Mm. Tu vois? Ça fait partie des mots français que tu peux utiliser en Espagne. C'est comme en français. En français, je te dis on va faire la fiesta. Ben, tu comprends qu'on va faire la fête quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc, tu veux dire, il y a des choses qui se comprennent dans toutes les langues. Voilà, donc elles achèteront un sac à main et elles compreront un bolso.
Mon morceau. Il est joli. Numéro 8. D'accord. Alors, j'aurais envie de dormir. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? J'aurais envie de dormir. Bah, tendré, mais envie, je sais pas. Alors, tendré, très bien, c'est la même construction. Tendré, dormir. Ah, c'est que un mot. Ganas. Et pourquoi? Parce que c'est. C'est en ex. Ganas, c'est envie? Ouais. Ah, j'ai envie, tengo ganas. Oh, j'ai envie de manger, tengo ganas de comer. Ok, j'ai. D'accord. Et c'est la même construction grammaticale en français et en espagnol. Avoir envie, tener ganas. Ok. D'accord. Ou. Bon. Ou j'ai envie de fraises. Tengo ganas de fresas. Ou j'ai envie d'un jus d'orange. Tengo ganas de un zumo de naranja. Ok. T'inquiète, tu vas. Bon, faut le savoir. Ah, ben, à mon avis. Je veux dire, ma femme en a pondu deux. Je peux te dire que des fois, surtout à partir du 5e, 6e mois, quand je dis des trucs, je me disais waouh. Wouh. Envie, Guérin. Ouais. Non, mais c'est là où tu découvres des mélanges qui sont fantastiques. Camembert, café, fantastique. Ah mon dieu. Même en lettres français, tu fais. C'est spécial. Bah bon, hein. Donc voilà. Donc, on va le retravailler. Regarde. Elle aura envie. Elle aura envie de nager. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle aura envie de nager. Pam 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 pam. Pam pam pam. Tendrá ganas de nadir. Alors, tendrá ganas, très bien. Alors, attention, comment va-t-on nager? Je sais pas, c'est pas nadar en nadir, un truc comme ça. Ah, c'est nadar, ok. Ouais. Tendrá ganas de nadar. En règle générale, si tu t'en rends compte, d'accord, ta première idée, c'est la bonne. Trust yourself. Confiante. Aie confiance en toi. Parce que, en règle générale, la première idée que t'as, c'est toujours la bonne. À 95%. Ouais. Donc là, il faut quand même que tac-tac. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Il aimera manger avec toi. Le gustará comer contigo. Très bien. Elles achèteront un sac à main. Ellas comprarán un bolso. J'aurais envie de dormir. Tendré ganas de dormir. Elle aura envie de nager. Tendré ganas de nadar. Très, très bien. Alors, on imagine que tu n'es pas contente, par exemple, avec un médecin ou je sais pas quoi, et tu as envie de lui dire, je lui dirai ce que je pense. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je lui dirai ce que je pense. Il y a un truc avec je lui là. Ouais. Il y a un truc avant. Ouais. Du coup. Avant dirai, oui. Alors si tu veux, on peut dire yo dirai. Yo le dirai. Yo le dirai lo que pienso. Très bien. Ta première impression. En règle générale, la bonne. Yo le diré lo que pienso. Très bien. Numéro 11. D'accord. Je mettrai le vin dans la cave. Il y a des phrases qui sont très importantes. Je mettrai le vin dans la cave et l'une d'elles. Alors, maître, poner, il est irrégulier, on l'a vu la dernière fois. C'est pondré, non? Très bien! C'est bon ça! Pondré. El vino. Quoi? C'est pas vino? Non. Vino. Vino. Voilà. Vino. Pondré el vino, je sais pas, en la. Comment on dit?
Bodega. En la bodega. Mais c'est pas mariage, ça? Boda. Ah, c'est boda, boda. Boda. Ouais, ouais. Après que mariage et canavin, ça se ressemble, on est d'accord. Un peu la même chose. Donc, pondré el vino en la bodega. Je mettrai le vin dans la cave. D'accord? Je mettrai le vin dans la cave. Pondré el vino en la bodega. Numéro 12. D'accord? Venga, on va être des bons parents. Elle pourra sortir. Alors, il reviendra à 8h. Bah, ça, je vais y passer avant toi, donc je te raconterai ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Bientôt, là. Ah bah, la grande, elle va sur ses 12, là. Donc ça va commencer à tic-tac, tic-tac. Mais j'ai des discussions avec des parents, qui ont des filles qui ont entre 15 et 20 ans, et en ce moment, je discute pas mal avec les papas. C'est vrai? Ben, je leur dis, alors? Ouais, je sais, quelle galère. Comment tu survis? Ça va de la coolitude absolue à ceux qui mettent des chambres autour de la maison. Ah, c'est ouf. Voilà. Alors, elle pourra sortir. Pourra, donc, peut, pot, c'est quoi, c'est podère? Podère, ouais. C'est quoi, podera, non? Podera, très bien. Podera salir? Très bien. Podera salir. Très bien. Elle pourra sortir, podera salir. Numéro 13, d'accord. Elles sortiront ensemble. Alors, de nouveau, sortir est un verbe irrégulier, donc elles sortiront ensemble. Comment on va le traduire en espagnol? Saldrán juntos. Saldrán juntos. Non, saldrán. Juntas. Exactement, juntas. Si c'est des garçons qui sortent entre eux, juntos. Si c'est des garçons et des filles, on dit aussi juntos. S'ils ne sont que des filles, juntas. Ah, ça se... okay. Ouais. En français, c'est facile. En français, c'est ensemble. Ouais, ouais. Garçons, filles, cachalots, ensemble. D'accord? En espagnol, c'est différent. Juntos y juntas. Pas mal. Okay. Alors, je m'écoute pour la prononciation. Je lui dirai ce que je pense. Mais genre en mode vénère. Je lui dirai ce que je pense. Yo le diré lo que pienso. Très bien. T'avais pas l'air trop vénère, mais c'est pas grave. Alors, je mettrai le vin dans la cave. Pondré el vino. Non. Pondré el vino en la bodega. Très bien. Et si tu veux briller comme la dernière fois avec Pes et Pescado, c'est sûr que la bodega. Dans la cave. C'est un joli mot que tu peux apprendre. Ouais. Ouais. Non, mais surtout, s'il est normal, il aime le vin, tu vois. Comme... Ouais, je sais pas s'il le connaît, si je pense, peut-être. C'est possible. Je sais pas. C'est possible, mais c'est partie des mots, quand, en général. Ouais. On fait pas attention. Elle pourra sortir. Podera salir. Très bien. Elles sortiront ensemble. Saldrán juntas. Très bien. Saldrán juntas. Et on met juntas parce que c'est elles. Elles sortiront ensemble. Muy bien. Alors. Maintenant, numéro. J'ai perdu du temps avec les tableaux, mais j'ai un toc que si le tableau il est pas, un peu... il est pas propre, je n'arrive pas à travailler. C'est, oui, on voit mieux quand même. Non, puis, non mais c'est un vrai, je te jure, c'est un vrai toc. Quand il y a une petite lampe, tu sais que je suis là. Et à la fin de chaque cours, je prends le truc et je nettoie avec de l'eau et tout, je suis en galère. Alors, numéro 14. Elle dormira. Chez qui? Chez Maria. Chez Miguel. Ouais, chez Miguel. Maria, c'est la deuxième option. D'accord? Mais en général, c'est chez Miguel. Elle dormira chez Miguel. Je suis sûr qu'il y a quand même une ou deux personnes qui doivent s'appeler Miguel, qui doivent suivre le cours. Et à chaque fois, ils doivent se marrer parce qu'ils doivent dire, je t'en parle. Alors, elle dormira chez Miguel. C'est pas irrégulier, dormir. Non. Dormira. Alors, très bien, attention à la prononciation. Dormira. Elle dormira en français, en espagnol. Ella, si on met le pronom personnel. Ella dormira. En la casa. En casa. En casa. Très bien.
tu n'as pas besoin de dire la. En casa de Miguel. Très bien. Elle dormira chez Miguel. Ella dormira en casa de Miguel. Numéro 15. Alors, elles pourront danser. Elles pourront aller danser. On va se la galérer bien celle-là. Elles pourront aller danser si elles finissent leur devoir. Alors je vais t'aider pour leur devoir, d'accord ? Si tu le sais pas. Alors, elles pourront aller danser si elles finissent leur devoir. Alors, on va faire des phrases un peu plus compliquées. Pote. T'écris vachement bien, ouais. Oh non, c'est horrible. J'ai pas écrit depuis le lycée, forcément avec la téléphone et tout, maintenant c'était. Elle écrit trop bien, d'accord. Et en plus, elle me. Non, mais. On dirait un bébé. On dirait pas. Non. On dirait une gamine qui écrit. Puis-je ? Non, c'est horrible. D'accord, merci. Elles pourront aller danser si elles finissent leur devoir. Bon, elle écrit 4000 fois mieux, quoi. Je suis prof de maths, 4000 fois, je pèse mes mots, quoi. Ouais. Alors, je t'écoute. Podran. Podran, très bien. Ir ou a ir? Podran, ir, a. A ir, a bailar. Très bien. Si. Très bien. Là, on n'est pas obligé de dire le yas aussi? Non. Si elles finissent. Les verbes finir? Je l'ai même pas. C'est quoi déjà finir? Alors, acabar. Ah oui, vous me l'aviez dit. Vous m'avez dit acabar. Acabar. Conjugué au présent. Aucun mot. Bah, acabar. Très bien. Bailar, si, à cabane. Alors, leur devoir, on les a pas encore vus, les pronoms possessifs, d'accord. Sous, ça veut dire leur. Ouais. D'accord. Comment dit-on les devoirs? Il en a pas encore le possessif, normal. Non, ouais. Sous, deberes. C'est le verbe deber, comme en français, devoir. Sauf que comme c'est pluriel, sous deberes. Et on rajoute le ES à la fin. Deberes. Ouais, c'est les devoirs. Yo, por ejemplo, no te doy deberes. Je ne te donne pas de devoirs. Sauf si tu dis, alors, je pars une semaine en France, là je t'envoie des phrases à traduire. Parce que j'aime bien. Ça, les gens, ils n'oublient pas quand ils sont en France. En général, mes élèves qui voyagent pas mal, ils le font dans l'avion. Ouais, c'est clair. Ils sont dans l'avion. C'est déjà, c'est débarrassé. Ils arrivent en France, j'ai la photo. Genre, tu l'as fait 5 ans. J'étais dans l'avion, j'avais 2 heures. J'ai pas de wifi, rien. Je veux dire, avec qui je fasse. Donc j'étais d'accord. Très bien, tu fais quoi? Non, je pourrais pas le faire parce que je m'occupe de mon fils, c'est un enfer. Ah non, mais. J'ai connu. À 3 ans, c'est bon. Hein. J'ai connu, t'inquiète. Ouais. J'ai connu. Non, mais attends. Là où tu vas rigoler, c'est que bientôt, dans un an, quand on aura 6 mois, et 4 quoi. Donc d'un coup, tu vas dire, oh là. Alors, très bien. Franchement, la traduction, bien. Alors, et on va prendre le verbe qu'on vient de voir. Donc, elles finiront les légumes. Ça aussi, c'est une autre galère. Ouais. Elles finiront les légumes. J'aime pas. T'as jamais goûté, mais j'aime pas. Alors, elles finiront les légumes. Terminaran. Non! Comment que terminaran? Acabaran. Très bien. Las verduras. Très bien. Acabaran. Acabaran. Las verduras. Très bien. Et là, il y a un mot en espagnol. Los legumbres. Las legumbres. Qu'est-ce que sont las legumbres? C'est tout ce qui est. C'est les légumes, non? Aussi, non? Non, alors las verduras, les légumes. Les légumes. Et las legumbres, c'est tout ce qui est pois chiches, lentilles. Ah! En français, on dit les légumineux. Ouais. C'est, on dit los legumbres, c'est vraiment pois chiches, lentilles, tout ça, quoi. Mmh. Et ici, pois chiches, on en mange pas mal.
Bien, c'est là que je les ai appris, les aînés. Alors, numéro 17. Tu iras voir ton parrain. Alors, tu iras voir ton parrain. Alors, tu iras voir ton parrain. Ouais. Tu iras? Tu iras, très bien. Ou iras directamente. La seule différence entre le français et l'espagnol, c'est les accents. Las tildes. Tu iras vers, non? Tu iras A ver. Parrain, c'est comment ça se dit? Alors. Justement. Que j'ai oncle. Tio. Ouais, les parents. Tante, tia. Oui. Ouais. Qui peut dire aussi vouloir dire les gars, les mecs. Ouais. Dans la rue, c'est quelqu'un qui dit hey, tia, perdon. Ça veut dire MF. Tu vois? Ok. Donc, faut pas, c'est pas basculer sa tante, quoi. Ouais. Genre, comment t'es mon neveu, toi, je te connais pas. Tu vois? Tu es là, ça mène à tout. Alors, attention, parrain, on dit padrino. Et la marraine, c'est la madrina. Ah, bah, c'est comme pour les. Ada madrina. Comme dans les séries et tout. Exactement, la Ada madrina. Ouais. Ouais, toi aussi, t'es devenue fan de Pat Patrouille. Hein. Ouais. Attends. Moi, j'ai deux filles. Hein. Moi, je me suis mangé Frozen et tout ça, mais je parle plein de fois. Hein. Tu sais comment on dit le parrain en anglais? Non. C'est très joli en anglais, c'est pour ça que j'aime bien. On va le voir aussi. Ouais, en anglais. Le parrain en anglais? Ouais. Non. Godfather. Ah. Godfather. Donc, parrain, padrino, Godfather. Oui, c'est censé Godfather. C'est le, ouais, ouais, Dieu, le papa de Dieu. Ouais, voilà. Donc le parrain, el padrino, el Godfather. Et la marraine, la madrina. La fée marraine, Ada Madrina. Très bien. Ok, des questions là-dessus? Je trouve ça tellement joli en anglais. Godfather. Godfather. C'est pas mal. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Du coup, ma reine, ouais, en anglais, c'est Godmother. Godmother. Alors, quoi? Ouais. Les gens qui passent. Elle dormira chez Miguel. Dormira en casa de Miguel. 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 Italien. Ah, c'était ma chaque fois. Toccato, Miguel. Miguel. C'est Miguel. Donc, dormira en casa de Miguel. Encore une fois. Dormira en casa de Miguel. Très bien. Très, très bien. Elles pourront aller danser si elles finissent leur devoir. Podrán ir a bailar si acaban sus deberes. Très bien. Elles finiront les légumes. Acabarán las verduras. Tu iras voir ton parrain. Tu iras a ver a tu padrino. Très bien. Iras a ver a tu padrino. Très bien. Très bien. Ça fait plaisir. Ok. J'ai un trou quand on dit je viens au présent. Bingo. Bingo, ouais. Ouais. Je vais, boy, je viens, bingo. Bingo, et après il y a bienes, bienes, benimos, benis, bienen. Ouais. Ok. Très bien. Numéro 18. D'accord. Alors, je peindrai le mur. Pourquoi pas? Alors, comment va-t-on dire en espagnol? En français? En espagnol? Je peindrai le mur. Attends, ce soir, je vais enseigner. Ce matin, j'ai enseigné l'espagnol en français et le français en espagnol. Et ce soir, je dois enseigner l'espagnol en anglais. En anglais, oui. Oh là, t'en peux même pas la galère. Alors, je peindrai le mur. Peindre, c'est quoi? C'est peindre, c'est ça se ressemble, c'est quasiment pareil, c'est ça? Pintar. Ouais, pintar. Ouais. Eh ben, pintaré. Comment on dit mur? Il y a deux possibilités. Si c'est le mur de la maison, d'accord, à l'intérieur, entre deux chambres, un truc comme ça, tu vas dire la pared. C'est le mur à l'extérieur, le mur en pierre, le mur du jardin, el muro. Ça dépend ce que tu veux dire. Il y a vraiment deux mots. En français, c'est facile, le mur.
Le mur. En espagnol, je peindrai le mur, pintaré la pared, ou pintaré el muro. Muy bien, Diana. Ok, numéro 19. Elle fera ce qu'elle peut. Aux pupinettes. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle fera ce qu'elle peut. Ara. Faut le rouler. Ouais, ara. Ara. On va le travailler. Ouais. Ara. Ara, ok. Donc, t'as deux possibilités là. Puede. Alors, tu peux dire puede, mais quand on va parler, tu dois dire ara, ok. Pueda, c'est du subjonctif. On le reverra, il n'y a pas de souci, on ne dit pas encore. Si toi tu dis ara lo que puede, ça passe très bien. Mais tu peux aussi dire ara lo que pueda. Ok. D'accord ? Juste pour que si tu l'entends, tu saches que ça existe. C'est lorsque l'on va travailler après, une fois qu'on aura vu les temps, on verra la concordance des temps. Genre, j'étais à la plage quand j'ai vu Miguel, tu vois. Ou afin que je puisse ouvrir la porte. Et puis tu vas taper. Mais non, on va y arriver à la cool. Alors ça va être facile, vu le niveau que t'as aujourd'hui, en 2 mois c'est réglé. Et demi. On va gérer. Ok, numéro 20. D'accord. Elle voudra te voir. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle voudra te voir. On a vu ça vouloir, c'est un irrégulier. Ça. Il est irrégulier, très bien. C'est quiera. Alors là justement c'est quera, oui. C'est double R. Oui mais c'est quera. Très bien, quera. Alors c'est plus quera, mais ouais. C'est pas mal. C'est genre un gros roulement quoi. Exactement, quera. Et comment va-t-on dire te voir? Quera te voy. Non. Oui. Voyte. Verte. Ah oui, verte. Pourquoi voy? Ver. Querra verte. Elle voudra te voir. Querra verte. Numéro 21. Je mangerai une poire. Pourquoi pas? Je mangerai une poire. Comeré. Je sais pas comment on dit poire. Pera. Ok. C'est ça qui est intéressant parce que comeré una pera. Et ça veut dire je mangerai une poire. Mais attention, on va le voir après. Si tu mets pera, c'est une chienne. Mmh. D'accord? Donc si tu dis comeré una pera, c'est-à-dire je mangerai une chienne. Pauvre animal. Mmh. Comeré una pera. Je mangerai une poire. C'est une nouvelle prononciation qui est différente. Exactement. Perra, oui, parce qu'il y a, R. Il y a deux R pour. Deux R pour ouais, perra. Pour chien, chien, ouais. C'est plus exactement. Opéré. Exactement, très bien. Très bien. T'as fait espagnol à l'école? Ouais, un petit peu. Ok. Quand t'as des bons restes, tu devais avoir un bon prof. Je le connais pas, mais. Mmh. T'étudiais où? T'habitais où? Oh, je suis du Haut-Jura. Dans les montagnes. Bah, je connais pas de prof dans les montagnes. Donc on parle pas trop espagnol en plus, ça va. Non, c'est sûr. C'est sûr, dans le Jura, non, c'est pas trop le. Tu vois, je suis des Pyrénées, je peux dire, ah d'accord. Ouais, voilà, mais là, non. Ça ne fait pas toi, là. Ouais, c'est sûr. Alors, je peindrai le mur. Pintaré la pared. Oh. Pintaré el muro. El muro. 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 Très, très bien. Parfait. Elle fera ce qu'elle peut. Hará lo que puede ou hará lo que pueda. Pas mal. Elle voudra te voir. Quera. 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 Non, je vais faire. Parfait. Quera. Tu l'as dit, Mani. Quera verte. Parfait. Parfait. Quera verte. Quera verte. Très bien. Et attention parce que faut pas le confondre avec una quera. Una quera, c'est une plainte. «
Una queja, c'est une plainte. D'accord? Et queja, c'est se plaindre. C'est un mot qui est sympa, ça va la première. Alors, je mangerai une poire. Comeré una pera. Très bien. Parfait. Parfait. Ok. Una queja, une plainte. Queja, c'est se plaindre. Ok. Alors. Numéro 22. On est bien. Numéro 22. Alors. Je serai avec Miguel. Alors, je serai avec Miguel. Comment est-ce qu'on va l'écrire? As-tu besoin d'une autre feuille? Non, c'est bon, donc... Oh, parfait. Je serai avec Miguel. Bah, je sais pas, c'est les... Non, c'est pas ça, je sais ce que c'est. Non. Hein. C'est quelque chose de permanent. Oui. C'est un état. Ah oui, estaré. Estaré con Miguel. Si tu dis estaré Miguel, ça serait je serai Miguel. Mais oui, oui, non, mais. Donc, estaré con Miguel. Je ne boirai plus jamais. Jamais. On l'a tous dit une fois dans notre vie. D'accord. Tu travailles avec une gueule de bois, tu dis ouais, je boirai plus jamais, c'est fini. No beberé. Très bien. Et pour jamais, je sais pas. Nunca. Ah oui. Mas. Une fois qu'on a terminé avec le futur, on va attaquer le passé composé. Une fois qu'on aura terminé avec le passé composé, on verra les adverbes. Toujours, jamais, bientôt. Ouais, ouais, les revoir. Et alors, on va se faire un super truc. Alors, no beberé nunca mas. Donc jamais, c'est nunca. Donc, je ne boirai plus jamais. Yo no beberé nunca más. Oh, no beberé nunca más. D'ailleurs, pour la petite histoire, d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit en espagnol la gueule de bois? Je sais pas, je sais que bourré c'est borracho. Borracho. Ouais. Borracho, ouais. Mais c'est bourré. Ouais. Donc, du coup, c'est pas ça. La gueule de bois, c'est le lendemain. C'est après, ouais. C'est la resaca. J'ai une gueule de bois, je te raconte pas. Tengo una resaca, ni te cuento. Resaca. Ouais, la resaca. Ou que, par exemple, tu vois, Romain il sort et tu sais qu'il est rentré un peu. Le matin, tu le regardes, tu fais, que t'as de la resaca? Genre, ça va la gueule de bois? Comment vous dites ça va la gueule de bois? Comment vous dites? Que t'as de la resaca? Ah oui, ok. Ah, t'as un copain qui est sorti, tu sors le matin, il se lève, il est bien chargé. Tu le regardes, tu lui fais, que t'as de la resaca? Ouais, ça va, je gère. Numéro 24. D'accord. Alors, elle ira où elle veut. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle ira où elle veut. Elle ira où elle veut. C'était quoi déjà? Bah, ira, c'était pareil. Oui, c'est un truc simple, ça en plus. Ira. Avec l'accent. C'est quoi, juste donde quiere? Ira donde quiere, ou de nouveau, ira donde quiera. Et on verra pourquoi on peut dire aussi ira donde quiera. Mais on pourrait dire ira donde quiere, tu peux le dire pour l'instant, d'accord? Mais ira donde quiera, c'est mieux.
D'accord. Alors, numéro 25, d'accord. Je travaillerai. Je travaillerai jusqu'à 21h. Je déteste les mercredis. Donnez-moi vous faire le mercredi. Alors, travaillerai. Là, je travaillerai. Travaillerai. Très bien. Jusqu'à, je sais pas. Hasta. Ah oui, ok. Las nueve. Oui, hasta. Trabajaré hasta las nueve o hasta las 21. Ok. Erika, Luz, Warda, Marta, Marie-Ange. Bonjour Vanessa. Bonjour mi gatita. Una pregunta, por favor. Porque yo creo que bien, pero no me cree. ¿Qué tal la pronunciación de Victoria? Yo digo que pronuncia muy bien. On va voir ce qu'elle dice. Très bien. Alors, je t'écoute pour la 22. Je serai avec Miguel. Estaré con Miguel. Estaré con Miguel. Je ne boirai plus jamais. No beberé nunca más. Très bien. Elle ira où elle veut. Ira donde quiere o ira donde quiera. Je travaillerai jusqu'à 21h. Travaillerai hasta las 9. Très bien. Alors, la prononciation excelente. Ah. D'accord. Très bien, dit Marie-Ange. Marta, que es mexicana, dice buena pronunciación. D'accord. Luz dice super bien. D'accord. Mich dice buena alumna. Erika dice muy bien, solo le falta practicar la R y la doble R. Ouais. Bon, en Méditerranée, elle dit la prononciation bof. Maria, elle dit super bien. Aguila dice mejor que yo. Grégory dit muy bien. Pas moi qui dis, c'est eux. Voilà. Très bien travaillé. La semaine prochaine, d'accord, on se galère pas à voir les verbes, puisqu'on les a déjà tous vus. On fait la même chose. Au futur, on met des phrases un peu plus compliquées et on les traduit. Si lundi, ça se passe bien, mercredi, on attaque le passé composé. Et comme ça, on aura présent, futur, passé composé un peu clair, d'accord. Et on en profite pour revoir, comme aujourd'hui, on a vu Condusco, tu vois, des choses comme ça. Quelques verbes au présent, comme on l'a pas fait ensemble. Ouais. Mais que tu le savais, que ça se passait très bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a bien travaillé. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui, pour toi. Oui, pour moi. Ouais, volvemos a las 7. Clase de castellano en inglés. Je m'amusais, tiens. On revient à 9h, à 7h, cours d'espagnol en anglais. Adios, todo el mundo. Gracias por todo. Ciao, ciao.